sur la vie de chaque personne ce matin. Et la puissance du sang de Jésus lave chaque être humain qui va faire son entrée dans cette salle ce matin. Que la puissance du sang de Jésus qui purifie tout ce qu'il touche atteigne chaque vie ce matin. Que la puissance du sang de Jésus qui purifie tout touche la vie de chaque personne ce matin. Et que chaque personne soit digne de se présenter au devant de toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu es là. Prie, réclame la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Réclame la puissance du Saint-Esprit qui va te conduire ce matin. Pour que tout ce que tu feras et tout ce que tu veux faire pour Dieu, tu puisses le faire. Non pas par tes efforts, mais par l'Esprit de Dieu. Prions. Seigneur Saint-Esprit, toi qui es toujours là pour aider ceux qui appartiennent à Jésus. Seigneur Saint-Esprit, les disciples ont pu faire des prouesses au nom de Jésus dans le ministère pour Jésus. Seigneur Saint-Esprit, nous prions que tu accordes ta grâce à chacune des personnes qui sera là ce matin, que ta présence soit manifeste et que la puissance de ta présence soit inébranlable. Que la puissance de ta présence amène à chacune des personnes ce matin à t'adorer en esprit et en vérité. Que la puissance de ta présence conduise chaque personne ce matin à élever son cœur vers toi. Pour que toi, qui es la source de la vie, tu nous conduises toi-même à des hauteurs pour adorer Dieu, à des largeurs pour reconnaître que lui, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, Seigneur Saint-Esprit, lorsque tu es là, ta présence fait la différence. Ô Seigneur Saint-Esprit, lorsque tu es là, ta présence fait la différence. Et nous voulons te confier ce moment pour que tu nous conduises toi-même, Esprit de Dieu. Que tu nous conduises toi-même, Esprit de Dieu. Que tu nous montres la lumière qui brille plus que le soleil. Car c'est lui, l'étoile brillante du matin, que nous sommes venus adorer. C'est l'étoile brillante du matin que nous sommes venus adorer aujourd'hui. C'est le lion de la tribu de Judas que nous sommes venus élever ce matin. C'est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde que nous sommes venus honorer ce matin. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes devant le trône de celui qui pénètre la source de son eau coule jusqu'à nous pour nous abreuver. Nos âmes sont là ce matin, Seigneur, pour recevoir de toi la source de nos vivres. Nos âmes sont là ce matin, Seigneur, pour recevoir la source de nos vivres. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous te laissons tout le contrôle et agis puissamment pour que la louange qui va s'élever de nos cœurs atteigne le trône de Dieu. Oui, Seigneur Saint-Esprit, que la louange qui va s'élever de nos cœurs ce matin atteigne le trône de Dieu. Agis puissamment.